Attention. 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0. Réveille-toi. Réveille-toi. Où je suis? Où est Reznov? Tu vas répondre à nos questions. Est-ce que tu comprends? Mais vous êtes qui? Ce n'est pas important, ce qui importe c'est qui tu es toi. Quel est ton nom? Va chier. Où es-tu né? Je te dirai rien. Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks en Alaska. En 61, tu étais dans un groupe d'agents spéciaux de la CIA appelé Opération 40. Tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Oui. Où est la source d'émission? Je sais pas de quoi vous parlez. Les nombres, Mason. Que signifient-ils? D'où est-ce qu'ils sont venus? Je sais pas de quel nombre vous voulez parler. Et Dragovich, alors? Tu te souviens de lui? Donne-nous ce qu'on veut et on assurera ta sécurité. Commençons par le début. Cuba 1961, la baie des cochons. On sait que tu y étais. Non. Te fous pas de moi, Mason. Je sais toujours quand tu mens. 61, baie des cochons. Que s'est-il passé? Ils tous restés. Inutile de mentir, Mason. Tu y es allé avec Woods et Oman. Woods? Oman? Dragovich. Tu te souviens de Dragovich? Castro. On devait tuer Castro. La police va arriver. Il faut faire vite. Woods, ça faisait un bail? Pas longtemps, Carlos. Tu connais Bowman, non? Carlos. Voici Mason. Ça va, Carlos? Bon, tu as ce qu'on voulait. Il sera là-dedans. La plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion le temps que vous entriez. Et pour l'évacuation? Un transport vous attendra. Soyez à l'heure. Excellent. On a de la compagnie. Saca los papeles. Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. Oye, ¿de dónde tú eres? J'ai dit, vous êtes d'où? Reste calme, Woods. Attends. Je vous parle! Ça y est. Traidores de la révolution! C'est bon, tout est prêt. Pareil. Bajen sus armas! Désolé pour le bar, Carlos. Pas de soucis. Mes gars s'occupent de l'écor. Esta es su última advertencia! Les occupants quittent leur véhicule, armés de fusils. Bowman, Carlos, faites un tir de couverture. On va se frayer un chemin. Mason, avec moi. Allons-y. Charge, couvrez-moi! Dégommez-les! Montez la rue! Bowman, prends la droite! Allez, mis à l'avant! Je recharge! Ennemi, dans l'allée! Il est foutu! Recommencez et je vous descends! Cible à terre! Derrière nous!
y va. Par là, dans cette allée. À la voiture. Cible à terre. Il y a un couvre de derrière. On se revoit à l'aérodrome. Suerte, mes amis. Fonce, allez. Dégagez de ce passage. S'évanouir. Mason, tu as échappé à la milice. L'assaut de la baie des cochons est en cours. Tu te diriges vers l'enceinte de Castro. On va le perdre. On commence, on n'a pas le choix. Putain de merde! Voilà l'enceinte. Carlos et ses hommes vont attaquer l'aérodrome. D'une minute à l'autre. Voilà le signal. Allez! On se réveille. On y est! Registrado! Confirmado! Mantén la posición hasta que llegue el refuerzo. Repito. Mantén la posición hasta que llegue el refuerzo. Repito. Mantengan la posición hasta que llegue el refuerzo. Mason, repito. Descends-le. Médico. Parfait. Ils sont concentrés sur l'aérodrome. Ahí está. On voit devant. Affirmativo. Ne bougez pas. Laissez-les passer. Bowman, par la gauche. On y va! Te escucho. Cierto. Buen ojo. Lo llamé. Afirmativo. Está en lo cierto. Continuado. ¡No miro! ¡Mierda! Dépêche-toi! Par là. Les escaliers. Pigé. Castro est parano. Et il a raison. Ça va faire 3 ans qu'on essaie de l'avoir. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous éloignez pas. La cible devrait être droit devant. Compris.
Bon, on attend. On y va. Bowman, y'a rien ici. On avance. Faudrait mieux se manier. Les B-26 vont pas tarder à bombarder. La cible devrait être droit devant. Compris. Mouvement à l'intérieur. On y est. Prends position. Prêt à écrire l'histoire. On y va. Cinglé. Il prend un bouclier humain et elle, elle le protège. Les partisans de Castro, lui, sont fanatiquement doublés. Roman, la cible est à terre. Ça se passe mal pour Carlos. Ils tiendront pas longtemps. Ils ont la moitié de l'armée cubaine sur le dos. Et ces B-26 mettent tout à côté. Je vais dans le couloir principal. C'est bon, on est en route. Menace. Avancez. Bowman, prends la droite. Bien fait. Recommencez et je vous descends. En avant. Ennemis près du baril. Dégagez d'ici! Contact, prenez barre! Bon sang! Barrons-nous d'ici avant que ces foutus avions nous fassent tous sauter! Ennemi à terre! Il est à terre! Cible à terre! Ok, il est mort! Mason, allez! On est coincés ici! Ça sent mauvais, ils sont trop nombreux! Merde! Calibre 50! Les gars de Carlos devraient être là! Carlos, qu'est-ce qui se passe? Carlos! Ils arrivent! Par le mur S! T'as cru que je te laisserais tomber, Woods? Les gars vont couvrir votre fuite. BTN! Dieu te bénisse, Carlos! Par là, dans les champs de canne à sucre! Mason, pas le temps d'attendre! Voilà l'aérodrome! Pourvu que Carlos soit prêt à décoller! Il nous a jamais déçus! Les rebelles se font botter les fesses! Faut y aller, accrochez-vous! Allez! Woods, le plan va foirer! Tu dois dégager d'ici! Tu as notre transport? L'avion est prêt! Mais ils nous abattront avant qu'on décolle! Un problème à la fois, mec! On s'en va! Allez! Ouvre-nous, Mason! Ils nous laisseront pas partir sans combattre!
On ne tiendra pas plus, Mason! Mason, détruis ces MSU! Ils essaient de détruire nos moteurs! Ces putains de véhicules bloquent la piste! Ouh, on a un problème! On est foutus! On manque de pistes pour décoller! On occupe! Mason, t'es dingue ou quoi? Ils vont te massacrer! Mason, qu'est-ce que tu fous? Mason! Piste dégagée! Bon sang, Mason! Pas de choix, Wood. Je savais pourquoi je signais. Survivrez! Allez, faut foutre le camp! Vous êtes mort. On vous a tué. Non. C'était un sosie. Vous pensiez vraiment qu'on ne savait pas? On a toujours su. Faites ce que vous voulez de lui, Général. Je vous l'offre, pour fêter nos bonnes relations. Mais veillez à ce qu'il souffre. Il souffrira au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai des plans pour toi, l'Américain. Ah, Dragovitch, là. C'est certain. C'était un piège. Il savait qu'on venait. Ce salaud, Dragovitch. Le russe. Ouais. Il avait tout préparé. Où Dragovitch tournait? En Russie. Un camp de travail. Un enfer. Appelé Vorkuta. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Pourquoi Gastro ne t'a pas tué? Pourquoi te donner à Dragovitch? Gastro et Dragovitch travaillaient ensemble. Ouais, t'étais le plus chaud. Ouais. C'est vrai. Vorkuta. Me battre. Juste pour survivre. Que s'est-il passé à Vorkuta, Mason? Je suis resté tout seul. Presque un an. Souviens-toi! Qu'est-ce qu'il t'en fait, Mason? J'avais perdu espoir de pouvoir m'enfuir. Mais Victor Reznov avait un plan.